Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ses 3 francs. Action. Le jour, un rêve est passé sur l'écran, et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bat. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le... Hai paura di non riuscire a... Non, non, apparire. No. Mi... Sono qua per divertirmi e per fare un bel film. Hai paura del regista? Non tanto, perché sai, decido insieme a lui. Sì, sono molto carico. Harry plante ses choux là-bas, pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 il coupait, s'approche du...